Bonjour à tous, nous sommes sur le salon Materials & Light, 12 septembre 2023, c'est la 9e édition de ce salon et elle se passe au 104. Nous avons le plaisir de réaliser un reportage avec Thomas Derouet de la société Everlit, donc qui est responsable prescription pour l'Île-de-France. Thomas, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous présenter également Everlit Concept ? Bonjour Florence, je suis responsable prescription effectivement sur l'Île-de-France, le Hauts-de-France et également le Grand Est avec une équipe autour de moi de chargés d'affaires. On travaille pour donc la société Everlit qui a plus de 35 ans d'expérience dans l'enveloppe du bâtiment en polycarbonate avec divers systèmes. Voilà, depuis 35 ans donc, et un peu plus, on fait partie d'un groupe qui a plus de 60 ans d'existence sur le marché mondial. Hein. D'accord, très bien. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les nouveautés que vous présentez sur le salon cette année ? Alors, en nouveauté cette année, c'est un peu lié à la protection solaire. On présente des brise-soleil. Alors, c'est une extrusion spécifique en forme d'aile d'avion qu'on peut positionner en verticale ou à l'horizontale, dédiée aujourd'hui à la protection solaire et à l'amélioration énergétique des bâtiments. C'est aussi bien dans la rénovation que dans le neuf. Il y a un aspect architectural, une particularité, c'est la transutilité, un contrôle solaire. Sans occulter totalement de la lumière, on peut contrôler aujourd'hui l'apport solaire d'un bâtiment. Donc ça, c'est très important pour une utilisation du bâtiment par rapport à un confort d'utilisation et à une économie d'énergie, par rapport au froid, au chaud, à l'éclairage artificiel. D'accord, très bien. Donc, ce n'est pas la première édition que vous faites sur Materials & Light. Quelles sont sur cette édition précisément les attentes que vous avez et surtout comment vous ciblez la prescription afin de mieux la séduire, de mieux la capter, si je puis dire. Aujourd'hui, on rencontre des prescripteurs qui sont architectes, des maîtres d'ouvrage également, des grands faiseurs, des économistes. Nous rencontrons depuis 2 jours. Ce n'est pas effectivement la première édition pour Materials & Light, donc si on revient, c'est qu'il y a une raison. C'est que ça nous intéresse et les contacts sont bons, puis c'est bien organisé. Un petit plus, un concert, une fin de journée. Les architectes sont énormément pris par le boulot et par leur travail quotidien. Pas facile de les capter. Pardon ? C'est pas facile de les capter. C'est pas facile. Donc l'organiser en plus, un petit plus, un buffet, un concert, un événement particulier avec différents industriels autour, ça peut que les intéresser. Tout à fait. Écoutez, on vous souhaite en tous les cas beaucoup de succès. Merci. On espère sincèrement que vous serez très satisfait du résultat et vous revoir bientôt. Et en tous les cas, on se dit à ce soir déjà pour la clôture du salon. Voilà. Pour le concert. Merci. Merci pour Florence. Le concert également. À bientôt. À Au revoir Thomas. Au revoir.